Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente puisqu'il s'agit de la création de mon potager de balcon. C'est bête, je venais de filmer le caca. Ça restait humide hein, au milieu, mais bon, c'est du plastique qu'il y a autour, hein, qui tient l'humidité aussi. Ah, mais c'est entouré de plastique. Oui. Il faudra que j'en remette. Bah. Sinon, la terre va se barrer en mais fait. Mais ouais, c'est pour ça. Je fais les choses bien. Ouais. De toute façon, on fera vider pratiquement entièrement, hein, tellement c'est pour la terre. De toute façon, après, ça va pourrir la voiture. Oui, mais comment on va faire pour remettre de la terre dedans, Marjolaine? Je vais faire plein d'allées et venues. Bouge pas. Dis-y, ça va. Je me mets ici maintenant. Ça va, t'es à l'aise, Vanini? Oui. Thank you.
Ça en fait de suite un petit paquet, dis donc. Et ouais, parce qu'elle est pas tassée. Ouais. Tu vois, on fera monter la tarte là. Tu vois pas la peine de la faire monter plus haut parce que ça. Quoi ? Oh, mais qui les gaspille ? C'est clair. Vivement l'arrêt du confinement. Pas beaucoup de bazar. Ils sont pas dans un pot dehors, derrière le pot là, où il y a les fleurs là dans l'entrée. C'est quoi ça? La vie est belle, beau toutou. Oui. Alors, tu fais quoi, les courgettes en premier? Ouais. Et le code de thé, hein. C'est un thé par famille. Ça donne beaucoup, je crois. Ouais, mais si j'en ai trop, j'en donnerai aux gens. J'ai peur que, comme les graines sont vieilles, il y ait pas mal de mortalité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tant pis si j'en ai trop. Bah, Maurice, il a déjà ses tomates qui sont sorties. Il a déjà fait plein de trucs. Ah oui? Ouais. Ah ouais? Non, ils sont au taquet. Ah bah ouais, plusieurs font place cette année. En même temps, ils ont le jardin, il est vraiment propice, mais un peu comme celui-ci, quoi. Il est propice à quand même traîner. Bon, lui, il est moins grand, mais... C'est qui est moins grand? Bah, ce jardin-là, ah, par oui, rapport si, à celui de Boris. Ah bah oui. Mais il est quand même sympa, c'est juste devant la maison. Ouais. Boris, je sais pas, il doit être là, celui-là. Je la tasse, la terre, ou pas? Oui, tu peux la tasser un peu. Et après, je glisse la graine. Ouais, tu veux le faire toi? Ça devrait aller. Elle est humide, comment ça se fait qu'elle est humide? Ah toujours, quand t'achètes du thé, ah ouais, c'est toujours humide. Ah et comme ça ils te disent 40 kilos, tu sais? Non, c'est un litre. Ah bon, est-ce que je veux dire l'arnaque? Ah, bah, ça pèse 4 fois plus lourd. Donc on est parti pour les courgettes. Bien, et puis au pire on mangera des courgettes pendant des mois. Hein. C'est ça, y a pas de problème, la courgette elle se conserve bien, tout ça. Je la tiens à la fin de vie. Je vais en mettre deux. Deux par truc? Non, peut-être un. Oh non, une. Okay. Après, tu peux en mettre dans le couvercle? Ouais, c'est ce que je me suis dit. Mais après, autre chose, pas ta courgette. Je vais mettre le potu marron. T'as un problème si on fait que des lignées de courgettes? Ah, oui, voilà, on a combien de mètres carrés? Ah bah, je sais pas, on a maximisé déjà. Hein. Là, ça fait plus de 2 mètres. Mais ça fait pas 1 mètre de large. 1m50. Moi j'ai 1 mètre carré. Bonheur. Oui, ça c'est vrai, là t'as 1 mètre carré, ouais. On en a quand même plusieurs mètres carrés. Parce que là, toute la longueur là, sur 50 cm, mettons, là, sur 50. Ouais. Ça fait peut-être 3 mètres. On va rentabiliser à mort. Grave. On va faire les Auvergnats. Bah ouais. En bon Auvergnat qui se respecte. Nous, on va avoir notre potager. Grave. Ils seront jaloux. Ah bon? Non, et du coup, c'est elle qui le fait. Oh, la vache, parce qu'il y a une grosse surface quand même de retourner. Alors, hein. Ah non, mais c'est son beau-frère qui l'a retourné. Ah bon, parce que j'allais dire que cher. Ouais. Je vais pas soigner ses peurs. Hein. Ah, j'ai cru qu'il y avait que 5 graines de potiron. J'allais dire, ah ouais, au prix où tu payes le truc, ils te mettent que 5 graines alors que dans un potiron, tu sais. Bah ouais. Et la date, c'est pas périmé? Si. C'est vrai? Ouais. Oh mince. Bon, c'est pas grave, je les mets toutes. De toute façon, ce sera pas bon l'année prochaine, donc tant qu'à faire, je les mets. Ça fera pas de fruits. Oui. Oh, je pense que si ça pousse, ça fera des fruits, moi. Ah bon? Parce que ce serait grave, toute cette énergie pour aucun fruit. Oh. Non, mais dès l'instant qu'elle va pousser, hein, y a pas de raison. T'as montré le 15e, là? Ouais. Aux infos ce matin, il y avait plein de monde dans la rue du commerce et c'est juste à côté de chez Christophe. Ah oui? C'est là qu'ils font leurs courses. Ah d'accord. Enfin, plein de monde, c'est les gens qui font leurs courses hein, pour le week-end. Il y a BioCop, il y a tout.
qu'il soit là, mon boutoutou. Il va nous aider à planter les graines, le boutoutou. Il est 7h05. Oh, tu es beau gosse, quoi. T'es beau gosse comme ça. Oh là là. Le désespoir de chien. Sinon, et si vous me baladiez, ce serait mieux, les filles. Le jardinage, c'est fini pour aujourd'hui. On recommencera dès demain et je vous ferai à ce moment-là une deuxième vidéo pour vous montrer un petit peu l'avancement de tout ça. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien. Si jamais vous avez un petit peu de temps, j'essaie de faire un petit peu plus de choses sur mon compte Instagram, notamment des vidéos qui sont plus courtes et qui sont en fonction de mon inspiration. Et puis j'y mets aussi d'autres choses qui n'ont aucun rapport, un petit peu tout mon bazar. Voilà. À plus.